Salut à toutes et à tous, c'est Sully, comment allez-vous? Moi ça va super bien, ça castagne là, ça castagne, let's go pour la suite des aventures de GTA Vice City The Definitive Edition. Let's do this! Déjà, j'aimerais bien avoir une petite motocross. En fait, les meilleures motos, c'est les motocross. Oh putain, ça explose de partout là du coup. Oh le bâtard! Oh l'enculé, vous l'avez en vert. Attends, il y a une Harley là. Il y a une Harley. Je préfère les Harley. Je vais faire une prise de Jujutsu. Ah non, même pas, il veut pas. On va finir les quêtes avec les Italiens et continuer les autres quêtes. C'est ce qui est demandé, d'accord? Oh putain, j'ai pas communiqué. Je suis quand même impatient de trouver. De jouer à San Andreas quand même. Vraiment. Histoire de voir ce que ça donne. Wow. I'm looking for somebody around here. You're looking hungry, Tommy. Do I know you? Hush now. One more thing and I can let you go, Tommy. My boys gone war with them boys, but no guns. While they fight in the streets, you will take elle pète sa mère, le snipe là. C'est un quart. No one hears you. Now, Tommy, you do this for me. And you no longer tied to my apron strings. Okay, Auntie. D'accord, Tati. De gagner cette bataille. Ah ouais, non, il y a une bataille là-bas, d'accord, attends. Tous les mauvais. Pas compris. Pas compris. Tu repérais? Attends, c'est écrit quoi? Tu dois gagner cette bataille, si Tsunoga meurt, c'est foutu. Tu dois aller où? Ah, je dois aller sur le toit. Bordel, pourtant. On était sur le toit, mais bon. On était loin, beaucoup plus loin et moins voyant. Apparemment, Ah, on a ça. Et on va s'en servir, regardez. Tac. Headshot. Enculé. Là. Voilà. Merde. Mais tu peux même pas les tuer à travers les carreaux? Lag. Oh, genre. On va tous les avoir. Voilà mon coco. Oh, c'est nimp. C'est ce que j'allais dire. Breaking your face. Aussi, fais pas la gueule, t'es pas un monstre. Tu veux ramener quoi? Ouais. What? Mais c'est quoi ce délire? What the fuck? Wow. Pourtant j'ai été vite hein. Pourtant j'ai été grave vite. Je comprends pas. J'ai même pris le ralenti et tout. J'ai. Arme hein. Elle est pas. Il est bizarre le snipe en vrai. Elle est plus vite, d'accord? Paf. Ah, normalement, gros, il devrait avoir. Normalement, c'est mort.
Ah, j'ai tué le conducteur, donc du coup il s'est cassé la gueule. Oh, j'ai pété mon pote. Oh mais merde! Voilà, c'est ce que j'allais dire, il faut arrêter 2 minutes. C'était encore plus vite que tout à l'heure. Tout à l'heure j'étais encore plus vite et j'étais mort. Enfin j'ai annulé la mission. Ah c'est bon, on a fini la mission avec les Italiens. On va pouvoir entamer la mission avec Détraqué. Yo Pentouz, comment tu vas mon ami depuis le temps? Ah ça fait un bail. Ça fait un bail mon pote. Et à l'infini, au-delà! Ouais, ça fait un bail de ouf. Toujours présent, t'as vu, toujours présent. On laisse faire aller le temps. T'es pas motivé par ma passion, j'aurais déjà arrêté plus longtemps, je pense. Et là, ça va, je suis bien. Ça va de mieux en mieux, de toute façon. Ah ouais, je suis bien, là, je suis carrément bien, gros. Surtout que je vais revenir sur Apex, normalement, je pense. J'ai eu un PC, là, je l'ai reçu hier, en plus. Je l'ai reçu hier le petit PC. Et là on est bien. N'hésitez pas à me suivre hein, les amis. N'hésitez pas à me suivre Pentouz sur ma chaîne YouTube. J'ai une nouvelle chaîne YouTube maintenant. Je le vois Sully-Van S-U-L-Y-V-A-N. Pareil que mon pseudo sur le logo. Je suis toujours revenu à zéro. J'ai toujours repris à zéro pardon. I'm going to make love like a man. You know that, Chica? Something like this. Pauvre porc. I wouldn't touch you with a 10-foot pole. Humberto Robina, he likes the lady, not some goat in a skirt. Tommy. Merci mon pote. Merci. Let's go. Go where? Can I get a cup of coffee first? No time for coffee. Besides, I just had one. Tommy, how do you take out a snake? You bite him in the ass. You go and get us a little car. When you get it, come back and pick up my boy, Pepe. And take them out to such and such. Their processing plant. Whatever you say, Umberto. Hey, Tommy, use their solvent as an explosive. Boom! Bye-bye! Bye-bye! Umberto, what about you? I'm going to stay behind and watch over that cafe with Papa. Allez, on y va. Maybe the last thing I needed was an enema, but this comes close. On doit faire quoi là? Je sais pas ce qu'il faut faire là, les gars. J'ai pas fait attention. Attendez, il a dit quoi? Roue arrière, file au nord de Little Haiti avec Pipi et Foch Bodo. Ok, donc Honor, this is it. On va en profiter pour aller reprendre un gilet pare-balles parce que là je suis un peu dans la merde. Ça passe pas, je m'en doutais, putain, enculé. Je vais pas prendre. Je vais prendre une voiture. Tiens, regarde, on va prendre celle-là, tiens, donne. Donne-moi ta voiture, toi, donne-moi ta voiture, je t'ai dit. Ah, mais t'es sérieux? T'avais dit d'arrêter l'alcool, mon collègue. Je t'avais dit d'arrêter l'alcool, qu'est-ce qui t'arrive? Oh là là! Wow! La voiture crache du feu, frère! Regarde! What the fuck? J'étais pas au courant! What the fuck? Ils l'ont rajouté, ça, ça y était pas avant. Après, j'ai jamais fait Vice City, j'ai envie de te dire, mais bon. On dirait moi quand je mange des piments et que je pète un coup. J'ai le cul qui crache des flammes. C'est un drap cul feu. C'est un drap cul feu. Je vais me transformer en drap cul feu. Oh, de la moulée. Moi, je prends la moula, mon gars. Eh hey gros, je suis un crevard, moi. Vive la moula. L'argent. Les gens. L'argent ne fait pas le bonheur. Mais bien sûr, maintenant, sans argent, t'es malheureux, tu fais plus rien. Bah, surtout que ça a augmenté, quoi. Vive Macron. Pardon, désolé, j'aurais pas dû dire ça. Oh là, beau. Voilà, moi aussi. Attends, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. C'est avec le toit bizarre, en fait. Les anciennes caisses.
Mais j'ai cru en avoir une tout à l'heure, mais je sais pas, ça a pas marché quand je l'ai pris, donc on va voir. Qui tente rien à rien, on va réessayer. C'est ça. C'est ça. Je crois. J'en avais une tout à l'heure en plus. Et oui, regarde, on a dû. Hey, keep my ride, les gars. Oh, on va devoir faire juste... Oh, si, si, on va devoir faire des courses. Hola, amigos. Et là c'est bien, j'aurais plus d'excuses pour jouer à Apex du coup. Avec le PC que j'ai, mon pote, ne sors pas de la bagnole avant qu'elle ne soit garée en sécurité dans l'enceinte. Ok, in you go. Youhou! C'est excellent. Et garde la bagnole, le marqueur rose et descend. Shit. Eh oh. Pas vu qu'il y avait des gars là. Mais sérieux? Après on y a jamais joué, bah j'y ai jamais joué. Ah Vice City, c'est le seul que j'ai pas fait. Donc c'est un peu normal que je peux pas savoir tout faire les missions quoi, on n'est pas non plus... je suis pas devin quoi. Dégage toi. Mais dégage toi, il se met devant moi les cons. Voilà, on récupère les munitions parce que j'ai plus de munitions. Et il y a beaucoup moins de monde comparé à tout à l'heure, j'ai l'impression. Il y a beaucoup plus de monde. Allez, on court, on court, on court. On court. On met la petite bombe ici. On en a encore une en haut. Et on trace. On trace. Ah c'est même pas ici, il faut tracer. C'est où? Oh dur. Voilà. Putain, j'ai eu peur. Hein. J'ai entendu tout, 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 tout. Je vais me faire défoncer. Oh, le son des explosions, vraiment bof. What the hell? Très dégueulasse. 10 000 $. Oh oui. Bon baiser. Nanana. Ok, ça marche. Donc attends, tac, tac. Ah le son qui m'a éclaté les oreilles. Mais violent. Donc du coup attendez, j'ai pas de... J'ai pas de nouvelle mission, je comprends pas. Oh des caddies de golf, stylé. Bah, j'en ai jamais utilisé à part la première mission. Les gars, je comprends pas, j'ai plus de mission là, c'est quoi ce délire? Pas des petites missions secondaires en attendant hein. Je sais pas ce que vous en dites. Ouais je me suis fait niquer par les condés, vas-y sérieux. Eh mais il y a une cassette en haut à gauche là, peut-être que c'est ça qu'il faut aller voir. Toi. Faites attention les gars, c'est moi le boss maintenant. Si j'ai envie de vous flinguer... Dégagez. What? Ah j'y suis jamais allé ici. Oh un hélico! Le con!
J'ai jamais pris l'hélico qui est au-dessus de mon toit. Oh le con, j'aurais pu aller toutes mes missions en hélico. La première fois qu'on utilise un hélico dans le jeu. Enfin, un vrai hélico. Quand on n'a pas de parachute, donc il faut faire très attention. Même un téléphone ici, mais je sais pas à quoi ça sert. Attends, regardez, je sais pas à quoi ça sert en vrai. Alors moi, je vais le faire atterrir ici, hein, répéter. Voilà, pas au téléphone. Occident de la route. Accident de la route. Your help in eradicating those out-of-towners was invaluable to business. I have more work for you with a more hands-on approach. Your next job is taped under the phone. What the hell? Livraison restante 50. Sérieux frère? C'est juste des livraisons. C'est de la merde. C'est des missions cabine maintenant que je dois refaire, c'est ça? Nice. On est en mode sportif là les gars. Bute la femme. Ok, ça marche, on a vu. On sait qu'on doit buter une femme. Madame Dawson va bientôt quitter la bijouterie de Vispoint. Tu l'as, il faut que ça ressemble à un accident de voiture. Ça ressemble à un accident de voiture, vas-y, bah, faut y faire des dégâts qu'une voiture, quoi. Je pense que c'est ça. Hein. Pardon. Je pense qu'on peut pas lui tirer dessus. Faut que ça ressemble à un accident de voiture. Mais comment? Ah, mais merde, hein, putain. Regardez, bah elle roule comme une timbrée, elle, en vrai. En fait, tu le rentres dedans, ça y est, elle se plante. Ah ouais, mais tu m'étonnes. Eh, hey, mais pourquoi elle s'arrête en plein milieu de la route, ma voiture? C'est vraiment buggé, ce jeu, hein. Après, les gens, je vous le dis, hein. Jouez à l'ancienne version et on verra après. Vous allez voir comment c'était encore plus buggé qu'avant. Voilà, rattrapé. Toc, ma voiture de merde. Tu as encore plus de dégâts que la sienne, n'importe quoi. Taxi, ça va aller plus vite. C'est beaucoup plus maniable, hein. Elle est chiante cette mission. Et gros, je me prends des murs invisibles depuis tout à l'heure.
Elle est destructible sa voiture, gros, c'est ouf. On flingue tout à cause d'une meuf. Une meuf qui veut pas mourir. Entre les deux, il y a boum. Elle est où la cabine là du coup? Juste à côté, nickel. Faut peut-être finir toutes les missions de cabine avant de... avant de continuer. Je sais pas. C'est des moments où tu dois finir les missions pour continuer après. On verra bien. Ça m'étonnerait. Bah apparemment je viens de regarder mais apparemment non c'est pas les... c'est pas la fin quoi, c'est les missions téléphoniques avant et après ils vont trop débloquer des missions donc on va faire les appels téléphoniques. Attends c'est quoi ça le truc bleu là? Quoi ça? Oh oui! Ah bah ça c'est nickel ça! On a une petite bécane, c'est nickel ça! Je sais pas ce que vous en pensez mais c'est nickel ça! Et d'accord. Il m'a dit quoi lui? J'ai pas compris là. Mec Griffin travaille sur un peu plus terre Washington. La proposition de problème de chaque cible est indiquée sur le téléphone. Ah ouais. Ok. Fallait savoir ça, merde. Eh ben non, je veux ta voiture à toi. Y'a personne d'autre. Pour l'instant, bah, je pense que c'est que ça. Il y a juste ces appels téléphoniques à faire. Je savais pas que les appels téléphoniques c'était une mission principale. 7 minutes pour tous les buter, c'est ça? On va y accéder d'ici. Shit. Attends, je dois faire quoi là? Mettre une balle dans la tête d'ici, c'est ça? Balle pu. On a une étoile juste à côté, c'est parfait. Ouf! Ni vu ni connu. Let's go. Hop, on a une étoile juste ici en plus, donc du coup on va pouvoir revenir ici pour éviter quoi que ce soit. Donc attends, on en a un là. Je sais pas si on peut le buter d'ici. Dégage. Il a bien failli me niquer quand même. Hein. Quoi ça? Ah, je savais pas que tu pouvais braquer les voitures. Les banques dedans. Un truc de dingue.
On a une étoile ici, on va directement aller la prendre. Boum! Dégage-toi. Elle était blindée, elle! On aurait pu décoller la pente, mais au final, non. C'est trop risqué. Je vais encore tomber dans l'eau. Oh putain, et là, je vais faire quoi? Je vais tomber dans l'eau aussi. Oh putain, cascade ratée. Boum! C'est tellement sûr. Dans cette voiture-là, c'est RG fois mieux. Merci. Merci beaucoup. Là, les gars, si c'est fini, j'ai hâte parce qu'on va pouvoir découvrir GTA San Andreas. Oh, quelqu'un ici, d'accord. Paf. On en a combien à tuer? Incroyable. Je vais prendre la moto. Ça va être beaucoup plus pratique. En fait, on doit tous les tuer au sniper, c'est ça? Sorry, man. Il va s'échapper. Désolé. On va le niquer, t'inquiète. Pas besoin de ceci, pas besoin de cela pour l'avoir. Déjà, il est en train de se péter la gueule, ce con. Il va le voir dans la map en mode toute panique. Ah ouais, bah ouais, bah c'est vrai. Je suis con. Je dis le con, gros, c'est moi qui ai nul à chier là. Attends, il va pas vite, hein. J'arrive à trouver moyen. Oh bah, mission réussie, t'as gars, il s'est planté tout seul, ce con. Oh l'abruti. Là, il y a une petite bagnole en plus, assez classe. J'ai essayé de regarder si tu les braques. Alors, encore une mission téléphonique. What the hell? On s'est fait de la thune en fait, je savais pas qu'on pouvait braquer les trucs moi. Bon, j'en fais une petite dernière et on verra après, d'accord? On continuera. Oh non! Bon, regarde. Oh, c'est nap. Oh, c'est nap. Voilà, les amis, la vidéo touche à sa fin. On se retrouve très prochainement pour la suite des aventures de GTA Vice City, The Definitive Edition. N'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications pour ne rien louper de ce qui va suivre. Aimez, commentez, partagez, c'est gratuit, ça coûte rien. Ça donne la force. Dans la description, vous aurez mes réseaux sociaux ou ici, tout simplement, grâce à mon nouvel overlay, vous avez tous mes réseaux sociaux. Bref, aimez, commentez, partagez, c'est gratuit, ça coûte rien. Ça donne la force. Je vous dis à la fois prochaine. Peace.